Eh bien bonjour à tous amis, c'est CourageTuba et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. Pour aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale que j'ai jamais fait de ce principe là, mais vous allez voir, ça va être sympa. Donc aujourd'hui on va essayer de survivre un peu comme dans Minecraft, mais avec une grosse condition qui est de ne pas couper de bois en fait. Voilà, on aura le droit de ne couper mais aucun arbre. Voilà, c'est la seule condition qu'on a, et donc ça va être vraiment très compliqué. Donc on va devoir, on commence tout de suite en fait. Et voilà, donc là on est dans une petite forêt, et donc notre but ça va être d'avancer, de faire une survie classique, donc de trouver du diamant, de tuer l'Under Dragon, voilà. Alors, j'espère faire, ce sera vraiment une série, hein, mais j'espère faire cette vidéo en deux parties, voilà, si j'y arrive, donc voilà. Donc déjà, premièrement, il nous faut des bâtons. Donc on est content d'être tombé à côté d'un désert. Donc on va récupérer des petits bâtons pour pouvoir se faire des outils après. Mais bon, le truc c'est que c'est bien d'avoir des bâtons, mais si on n'a pas de table de craft, en fait, on peut rien faire quand même. Donc, il va falloir qu'on trouve un moyen, tout simplement. Qu'on trouve un moyen de se faire une table de craft. Donc moi j'ai déjà des petites stratégies que je vais prendre. Alors dès qu'il va faire nuit, ce serait de trouver des creepers et de faire exploser les creepers à côté des arbres. Parce que j'ai dit que j'ai pas le droit de couper les arbres, mais la condition c'est pas que j'ai pas le droit d'utiliser de bois. Donc j'aurais le droit d'utiliser le bois si c'est pas moi qui le casse. Enfin ça de le casser, je n'ai pas le droit de le faire. Par contre, si n'importe quoi qui se passe détruit l'arbre et que je peux récupérer le bois, c'est bon, voilà. Donc soit j'attends la nuit et je fais exploser des creepers à côté des arbres et je récupère du bois et on pourra avancer, ou alors je trouve un village où je trouve des coffres. Enfin voilà, faudrait que de toute façon il faut que j'explore un petit peu les alentours pour trouver des trucs en fait. Et j'ai déjà plus de nourriture, c'est génial. Donc voilà. Alors aujourd'hui notre but est de se faire une petite base et si possible d'avoir du diamant, mais franchement le diamant j'y crois pas tout de suite. Donc voilà. Donc là je vais essayer de tuer des petits cochons, voilà, pour pouvoir manger. Les dégâts de chute, c'est génial. Voilà. Alors aussi si vous demandez, peut-être que les graphismes et tout sont un petit peu différents, c'est normal. J'utilise un autre launcher que d'habitude, que le launcher de base. J'utilise le Pacify Launcher, je crois. C'est un launcher qui est très très bien et qui a de base plein de petits ajouts qui sont sympas. Et voilà. Et ça sert à aller sur certains serveurs, par exemple le Funcraft. Et je pense que je ferai des vidéos sur Funcraft parce que c'est vraiment super. En fait, c'est un très très bon serveur. Voilà. Donc on va continuer quand même à aventurer, à s'aventurer. Voilà. Donc je ne sais pas en fait là déjà si je trouve par exemple des planches. Par exemple je trouve un village, je trouve des planches. Est-ce que j'ai le droit de les casser ou pas? Je sais pas. Donc par exemple si je trouve une maison de sorcière aussi. Est-ce que j'ai le droit de casser les bouts de bois, les petites planches ou pas? Donc c'est une question, mais moi je vais dire que oui, parce que pour moi c'est juste les arbres en fait que j'ai pas le droit de casser. Donc voilà. Donc bon, je pense que là les amis, je vais tout simplement vous dire à tout de suite, juste le temps que j'arrive à trouver quelque chose d'intéressant, par exemple des planches, voilà, ou qu'il fasse nuit ou je ne sais pas, mais juste un truc de bien, et je vous retrouve juste après, donc je vous dis à tout de suite. Les amis, au bout de très 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 longtemps de marche, je suis enfin tombé sur un village. Et ça commençait à être un petit peu compliqué pour moi, je commençais à plus avoir beaucoup de nourriture, à plus avoir beaucoup de choses à faire en fait, et enfin je tombe sur ce village. J'espère qu'il y a une table de craft, c'est vraiment le truc que j'ai besoin. Alors déjà il n'y a pas de bois dans ce village, y a pas, je pourrais pas récupérer de planches sur les maisons, voilà. Mais alors normalement ça devrait être dans cette maison. Oui, il y a une table de craft, on va enfin pas pouvoir commencer à rien faire puisqu'en fait j'ai pas de. On va la prendre, on va prendre cette petite table de craft. Voilà. Et le truc c'est que je vais essayer de me faire du stuff. Alors, avec cette version, en fait avec ce launcher là, il y a un truc qui est bien, c'est qu'il y a des stuff en émeraude. Alors, on va en profiter, hein.
C'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux à faire, mais bon, voilà, on va se faire des stuff en émeraude, donc. J'ai juste besoin de trouver quelques petits PNJ qui trade des petits trucs sympas, hein. Par exemple celui-là, par exemple là, du papier. On va directement faire une petite ferme à canne à sucre, enfin ferme, juste on va mettre des petites cannes à sucre pour pouvoir se faire des émeraudes après. Alors on va, faut pas que j'aille trop loin, mais le truc c'est que j'ai pas de fer, donc je peux pas trop c'est un peu compliqué là, parce que je peux pas déplacer l'eau si peut-être là. Alors il y a rien dans le puits, non. Alors on va prendre de la terre et je vais devoir casser à la main. Parce que j'ai pas de pioche, donc je vais casser à la main ici et après on va pouvoir mettre de la terre. Hop, on va mettre de la canne à sucre. Hop. Donc je m'occupe de faire ça et quand j'aurai un peu de ressources, qu'il y aura un truc intéressant, je vous rappelle. Donc là les amis, j'ai un petit creeper que je vais essayer de faire exploser à côté de la stone pour pouvoir nous, tout simplement nous faire de la stone, pour pouvoir nous fabriquer des outils et pas avoir besoin de se fabriquer des outils en bois. Mais voilà, donc là j'ai eu 3 de stone, on va pouvoir se faire une petite pioche, c'est génial. Voilà. Alors là en fait j'étais tout simplement en train de récupérer les champs et je vois un gros truc vert et c'était un creeper, voilà. Donc ça m'a surpris et donc je l'ai repris tout de suite, voilà. Donc je vais continuer à récupérer les champs. En fait je voulais récupérer les champs pour pouvoir me faire des émeraudes après avec le fermier du village. Mais bon, là, si j'ai de la stone, bah, je pense qu'on va peut-être aller miner, je ne sais pas, et pouvoir se faire du diamant pour pouvoir se faire des enchantres. Voilà. Alors, mon objectif, c'est d'avoir un full émeraude. Alors, c'est vrai qu'on dit pas ça souvent dans Minecraft d'avoir un full émeraude, mais là, on va le dire. Donc, je voudrais un full émeraude enchanté pour pouvoir après aller dans l'End et battre l'Under Dragon. Voilà, tout simplement. Alors, je vais pas m'embêter à aller chercher. Les yeux, tout ça, d'aller chercher le portail, je vais le faire moi-même parce que, enfin, voilà, le but c'était juste en fait d'arriver à survivre sans utiliser de bois, c'est pas de faire une vraie survie, c'est juste d'arriver à avoir du stuff en fait. Et pour un peu en finalité, on va essayer de battre l'Under Dragon, ce que je n'ai jamais fait de ma vie, je n'ai jamais combattu l'Under Dragon. J'ai, ou alors c'était pas l'édit, en fait, j'étais en créatif où j'avais du stuff que je m'étais give. Voilà. Donc là, en fait, je suis tout simplement en train de chercher des PNJ qui pourraient me donner ce que. En fait, un fermier. Je cherche un fermier. Mais je ne trouve pas de fermier. Alors, oui, mon inventaire, il ressemble à rien du tout. Hein. Voilà. Non, alors, le problème, c'est que dans ce village, il n'y a pas grand monde. Hein. Il y a beaucoup de forgerons et de blanc là, de je sais pas, de cartographe, ça s'appelle pas comme ça, c'est pas grave. Mais voilà, il n'y a pas de fermier. Ça m'embêterait beaucoup, beaucoup, beaucoup s'il n'y a pas de fermier. Ah, là on a un je ne sais pas quoi. Un boucher, c'est pas mal, mais c'est pas ce que je cherche. Là on a un prêtre, donc pour 8 d'or, ouais. Bon, alors je crois qu'on va être obligé de toute façon d'aller miner de toute façon. Donc, je vais me faire. Bah, on va tout simplement mettre notre petit établi là où il était de base. On va se faire une pioche en pierre. Et après ça, on va aller chercher de la stone. Et on va pouvoir commencer à faire des trucs intéressants pour vous comme pour moi. Donc, parce que récupérer des champs, c'est bien. Mais bon, au bout d'un moment, c'est un peu énervant. J'en aurai assez à faire avec Palladium quand les métiers seront sortis. Parce que voilà, moi je. Je vous le dis comme ça en même temps dans cette vidéo, je commencerai à jouer à Palladium quand les métiers seront sortis. Voilà. Ah bah c'est génial, on a du fer, donc on pourra directement se faire une petite pioche en fer et une épée en fer. Donc voilà, donc là maintenant il va me falloir du charbon. Parce que je peux pas cuire avec du bois puisque je n'ai pas de bois et mes bâtons, on va les économiser un maximum. Parce que je n'ai que 40 bâtons. Donc voilà. Là, donc je suis niveau 7, c'est pas mal. On va retourner au village. Alors pour l'instant, en fait, je pense que je me débrouille pas mal. En tout cas, je me suis pas mal débrouillé. Le seul truc que j'ai mis beaucoup de temps à voir, bah, c'est mes premiers bouts de bois, en fait. Ma table de craft.
C'est ce qui m'a mis le plus de temps à trouver. Mais maintenant que je l'ai, je pense que ça va aller beaucoup plus vite. Où est-ce qu'elle est la maison? Je sais pas. On va manger un peu. On va se fabriquer un four. C'est pas celle-là. C'est celle-là, voilà. Donc, on va se fabriquer un four tout de suite. Hop. Le four, ça on a le droit. Hop, hop, hop. Petit minerai de fer. Je sais pas après. Ah, si je peux, j'essaierai de me faire un. Ouais, je vais essayer de faire ça. J'aime plutôt me faire d'abord une pioche en fer et un seau en fer. En fait, juste un seau en fait. Pour pouvoir faire pousser plus de canne à sucre. Parce que là, je crois pas que ça va pousser. Donc voilà. Donc, qu'est-ce que je peux faire avec ce que j'ai maintenant? Je ne sais pas, je crois rien. Donc là, on va tout de suite prendre un seau en fer. Hop. Non, j'arrête pas de dire seau en fer, mais c'est juste un seau classique. Hop. Hop. On va se faire un petit truc là, comme ça, ici, très vite fait. Alors, je sais pas vraiment pourquoi je me dépêche, mais je ne sais pas pourquoi, en fait, ça ne sert à rien du tout, parce que je ne suis pas chronométré. Mais bon. Je sais pas, j'aime bien. Allez, vite. Voilà. Donc, là, on va mettre ça là. Là, une fois c'est fini, hop. Et voilà, donc là on va pouvoir faire pousser notre canne à sucre. Hop. Ça sert à rien ça. Hop. Là, tac, 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 tac. Et voilà. Et donc normalement après on pourra farmer plus facilement. Tout ça, voilà, c'est sympa. Et je vous reprends dès que je vais commencer à miner. Non, dès que j'ai trouvé un truc bien en minant. Voilà, donc que je vous dis à tout de suite. Amis, c'est bon, je viens de trouver du diamant. Tout simplement, je suis descendu. Comment en fait, là-haut, c'est le village, et je suis descendu. Et attention, et j'ai trouvé deux petits diamants, et on est à la couche 10. Voilà, donc on a trouvé. Ah mince, j'ai plus de place dans mon inventaire. Eh ben, c'est génial. Donc là, j'ai trois diamants. J'ai de la redstone, c'est pas très bien. Bon. Voilà, donc j'ai trouvé 3 diamants. Je pense qu'avec ça, on est plutôt pas mal. Donc, je sais pas, je vais peut-être continuer un peu. Non, je pense que je vais. Bon, allez. Bon, je pense que je vais remonter plutôt. Je vais remonter. Je vais activer l'auto-jump. Si c'est possible, je ne sais pas en fait. Bon, je vais remonter. Et. Attendez, bah, en fait, j'ai juste pris un peu de fer, de charbon et 3 diamants. Et voilà, donc là on va remonter et voilà. Donc c'est plutôt pas mal pour l'instant. J'ai pas mis trop de temps pour l'instant. Et donc avec ces diamants, alors il va me falloir une pioche en diamant pour pouvoir me faire une table d'enchant. Oui, attendez, il va me falloir une pioche en diamant pour pouvoir. Attendez, je vais vite rentrer à la maison. J'ai plein d'araignées partout. Et pour que je puisse parler. Voilà. Donc je disais, il va me falloir une pioche en diamant pour pouvoir ensuite me chercher de l'obsidienne et pouvoir me faire une table d'enchantement. Donc pour l'instant, en termes de diamants, c'est bon. Par contre, bah, j'ai pas assez de diamants pour. Enfin, je peux faire la pioche, mais j'ai plus de quoi ensuite faire bah, la table d'enchantement. Voilà. Donc. Bah, je vais retourner un peu miner et je vous dis à tout de suite. Donc au prochain épisode, parce que là ça va bientôt s'arrêter je pense. Donc au prochain épisode j'aurai fait tout simplement la table d'enchantement que je vais faire tout de suite. Mais j'aurai essayé d'avoir farmé un maximum d'émeraudes pour pouvoir me faire un très bon stuff. Donc on va casser ça. Hop. On a des livres. Et je me souviens plus trop comment on fait. Je crois que c'est comme ça. Ah, voilà, c'est comme ça, voilà. Table. Et ben heureusement que j'avais prévu un peu plus. Et donc voilà. Donc là, on a notre petite table d'enchantement. Ah, il faut aussi du lapis-lazuli. C'est dommage ça. Donc, bah, va falloir que j'aille retourner miner après. Donc c'est pas grave de toute façon. Là, maintenant, ma ferme à canne à sucre, elle est bien. Je peux commencer à farmer la canne à sucre. Donc c'est bien. Donc oui, ça fait 3 fois que je dis la même chose. Donc je vais pouvoir. Voilà, ce que je voulais dire, c'était je vais pouvoir vous dire à la prochaine, les amis. Et voilà. Et aïe. Et à la prochaine, les amis. Au revoir.